Qu'est-ce que tu dis de ça, fine mutant? Oh!
Terminé. Ha, on devrait avoir moins de mutants dans le coin maintenant. La porte est fermée. Okay.
Complètement dévalisé. Le couteau d'amputation, ça y est. Il faut que je le ramène à Adi. Ravi d'avoir aidé.
salut. Oh. Tiens, voilà le couteau que tu m'as demandé. Super, merci. Pas de soucis. Hey, salut. Hey, je voulais te demander. J'ai entendu vos motos hier soir à toi, Ricky, et... C'est qui l'autre type ? Boozer. Son vrai nom, c'est William ou Bill, mais je l'ai toujours appelé Boozer, faut pas chercher. Pourquoi ? J'allais pas... Enfin... Il va s'en sortir ? J'étais passée dire bonjour à Adi. J'ai vu qu'il avait pas l'air en grande forme. Ouais, ça va aller. Dès qu'il sera rétabli, on file vers le nord, ok ? Alors, tu laisses tomber, compris ? Ouais. À plus. Besoin de quelque chose ? Eh, ça me regarde pas vraiment, mais j'ai appris que t'étais revenu. J'y croyais plus trop. Disons simplement qu'Iron Mike et moi avons trouvé une sorte de terrain d'entente. Ah ouais ? C'est déjà pas mal. J'imagine que Ricky y est pour quelque chose. Et comme t'as dit... Ok, à plus. J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Je jette un œil. T'as besoin de faire le plein ?
Allô? Y a quelqu'un? La vache, tu fais une sacrée consommation, toi. Ok. À plus. Bon, me voilà. Nom de Dieu! Évitez de me faire des frayeurs comme ça! Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah, la femme que j'ai mise dans votre hélico? Non, rien. Rien? Hey, attendez du calme, il me faut du temps, d'accord? Je risque gros à vous aider. Si on découvre ce que j'ai fait au QG, tous ces types armés là-bas, vous... ils exécutent les ordres. Faites tous partie de la même équipe, écoutez, pour Brian. Oui, je sais que c'est l'image que ça donne. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais... j'ai besoin de votre aide. Mon aide à moi? Oui, prenez ça. C'est un enregistreur de longueur d'onde et un traceur GPS. J'ai besoin que... le temps presse. Merde, je connais même pas votre nom. Deacon, Deacon St. John. Mais écoutez, Deacon St. John, si vous voulez que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah, alors oui, j'ai besoin que vous me rendiez service. Ok. Gardez bien ce talkie. Je vous contacte dans quelques minutes. Vous connaissez même pas mon nom, mais vous l'apprendrez avant qu'on en ait fini, O'Brien. Et gardez précieusement stocké, il m'a pas quitté une seconde, espèce d'enfoiré. Bordel de merde, il va me faire poireauter encore longtemps. Allô? Deacon, vous êtes là? Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voulez quoi? Bon, j'ai mis un bloqueur sur ce canal, il est sécurisé. Vous voulez quoi? J'ai envoyé une série de coordonnées vers votre radio. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place et... Quoi? Pourquoi? Écoutez-moi. Plusieurs groupes d'intervention sont en mission sur le terrain. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Pourquoi vous leur demandez pas? Impossible. Écoutez, c'est une longue histoire et j'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant.
Disons que des gens haut placés lancent des tas de missions sur le terrain, indépendantes les unes des autres. Les équipes ignorent ce que font les autres. Donc c'est l'apocalypse et vous continuez de faire vos magouilles comme si rien n'avait changé. Où c'est ? Je vous ai envoyé les coordonnées. Oh putain, O'Brien. Bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Essayez d'en rejoindre un maximum. Il y a des sites d'atterrissage actifs, des emplacements de dépôts d'échantillons. Ouais, j'ai saisi. Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi, O'Brien. Ouais, j'ai saisi aussi. Je vous recontacte. O'Brien, terminé. O'Brien ! Ouais, je suis là ! Qu'est-ce que vous... L'un de nos hélicos se dirige vers votre position. Vous devez le suivre. Le suivre ? Pourquoi ? Allez-y ! Ne le perdez pas de vue ! Ok. Qu'est-ce qui se passe, O'Brien ? Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le No Man's Land ? Leur destination est top secrète. J'ai pas accès à leur dossier. Donc je peux pas vous donner les coordonnées du site d'atterrissage. Vous devez les suivre. Putain, mais vous avez pas... Je sais pas, moi, les satellites espions, ce genre de truc ? Pas personnellement, non. Je vous l'ai dit, je sais pas. Accès, ouais, j'avais entendu. Ne les perdez pas. Je vais pas les laisser me distancer. Ils ralentissent. O'Brien, ils atterrissent. Bien. J'ai leurs coordonnées grâce à votre radio. Vous feriez mieux d'y aller à pied. À pied ! N'oubliez pas, ils ne doivent pas vous voir. Sécurisez-moi le périmètre, allez. Écoutez-moi, je veux que ce périmètre soit totalement verrouillé, c'est compris ? Je vous attends. O'Brien, j'y suis. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Silence radio. Chacune de ces unités de recherche possède un scientifique protégé par des gros bras. Il faut que vous vous approchiez du chercheur. L'enregistreur de longueur d'onde est réglé sur la fréquence d'enregistrement de nos données. Il enregistrera tout ce qu'il fait. Ok, donc vous me demandez d'infiltrer un site grouillant de soldats armés jusqu'aux dents qui tire à vue, tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'intello ? Un putain d'intello ? Espèce d'ignare, on a des doctorats, connard. Ouais, bah ce que je retiens du doctorat, c'est qu'il y a rat dedans. Maintenant tu la fermes. Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donnés ? J'ai pensé à les revendre, mais personne ici a accès à ce genre de matos. Vous savez, les satellites. Posez-en un sur le hélico. Quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol. Je veux savoir où ils vont. O'Brien. Inutile de demander. Je suis déjà en train de fouiller les archives pour savoir où les réfugiés ont été évacués. Terminé. Test de ces missions. C'est sûrement là. Qu'est-ce qu'il fiche ici, juste... Les cavernes de Belknap a patauché dans la merde depuis tant. Ah ouais ? Je me demande combien de temps ça va prendre. Ça, c'est sûr. Ça va ? Arrêtez-vous tout de suite ! Dodo, on peut rester civil. Soldats armés jusqu'aux dents qui tirent à vue, tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'intello ? Un putain d'intello ? Espèce d'ignare, on a des doctorats, connard. Ouais, bah ce que je retiens du doctorat, c'est qu'il y a rat dedans. Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donnés ? On a tout ce qu'il faut. J'ai pensé à les revendre, mais personne ici a accès à ce genre de matos. Vous savez, les satellites. Posez-en un sur leur hélico.
quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol. Je veux savoir où ils vont. O'Brien. Où les réfugiés ont été évacués. Terminé. C'est sûrement là. Qu'est-ce qu'il fiche ici, au juste ? Merde, il va bientôt faire nuit. J'en ai plus pour longtemps. Hey, la lumière baisse. Ça va, on sera parti avant la nuit. Oh merde, le soleil se couche. Vous aimez le son de votre voix, hein ? Ça va ? Vous avez vu quelque chose ? Quittez les lieux immédiatement ! Ok, on ouvrira le feu ! Je me casse.
J'y suis. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Chacune de ces unités de recherche possède un scientifique protégé par des gros bras. Il faut que vous vous approchiez du chercheur. L'enregistreur de longueur d'onde est réglé sur la fréquence d'enregistrement de nos données. Il enregistrera tout ce qu'il fait. Ok, donc vous me demandez d'infiltrer un site grouillon de soldats armés jusqu'aux dents qui tire à vue, tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'intello ? Un putain d'intello ? Espèce d'ignare, on a des doctorats, connard. Ouais, bah ce que je retiens du doctorat, c'est qu'il y a rat dedans. Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donnés ? J'ai pensé à les revendre, mais personne ici a accès à ce genre de matos. Vous savez, les satellites. Posez-en un sur leur hélico. Quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol. Je veux savoir où ils vont. O'Brien. Inutile de demander. Je suis déjà en train de fouiller les archives pour savoir où les réfugiés ont été évacués. Terminé. C'est sûrement là. Qu'est-ce qu'il fiche ici, juste ? Venu chercher la merde. Une belle bande de salopards. Combien vous avez tendu d'embuscades cette semaine, hein ? Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Je vous annonce le cœur lourd qu'on déplore 6 morts et 2 blessés dans mon camp cette semaine. Mais c'est pas dû aux saloperies habituelles. Non. C'est ce putain d'hélico noir. Je vous le dis, tous les deux contre lesquels je vous avais mis en garde... Ils sont en train d'arriver. Ces fameux hélicos ont descendu tout un groupe d'hommes et de femmes qui supplient qu'on leur laisse la vie sauve. Des citoyens de ce pays. Ils les ont massacrés. Les hommes ont riposté, mais... Et merde. Et ils ont pas dit leur dernier mot, ces enfoirés. Ils vont nous traquer jusqu'au dernier. Nous, les connards qui avons eu le culot de survivre et de perturber leur petit projet. Ils nous éliminent pour pouvoir sortir de leur trou de souris. Restez vigilants, les amis. Oh, il faut que je finisse de brûler cette zone d'infestation. Ciel. C'était Marc Copland pour Radio Libre Oregon. Lisa. Ne gobez pas les mensonges. Elle est forcément quelque part par là. Ok. T'es où, petite ? Oh, merde. Ta gueule ! Come on.
Yeah!
Et une autre prime.
Ça les foule. Tu vas bien me servir.
enfin.
Ça peut toujours servir.
de saloperie.
C'est bon. Dégage de mon chemin! Ah!
tueurs et des voleurs, tous autant que vous êtes. Hein, combien de victimes aujourd'hui, hein? Oh merde, y a quelqu'un de coincé, il faut que... Allez! Aidez-moi! On a fait ça tous. Voilà, on y est. Encore un nid, c'est parti. Ok. Ça doit le faire. Non.